Bon, je viens d'apprendre que le pédophile, il a. Le pédophile, il a quitté sa meuf de 16 ans. Eh ouais, TK. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, j'espère que c'était un prank, j'espère que c'était une caméra cachée. Hein. J'espère que c'était une blague et que t'as bien buzzé sur ça. Mais si c'est vrai, si ça s'avère être vrai, tu sais les conséquences de la pédophilie. Tu sais que dans la rue maintenant, pardon, tu vas devoir de te retourner toutes les 2 minutes au cas où, parce que ça va te monter en l'air. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, ce gars-là, je vais vous dire une chose. Moi, je l'ai déjà croisé en soirée. Il me connaît, hein. Je le connais, il me connaît. Moi, j'ai jamais aimé, tu vois. C'est pas pour cracher sur son dos. On s'est jamais serré la main. On s'est toujours regardé de loin, mais il n'y a jamais rien eu, tu vois. Ce mec-là, je l'ai jamais senti. Et moi, j'ai le nif, j'ai le nez marocain. Donc, je sens quand une personne, elle est bizarre ou pas. De toute façon, t'es quand entre nous, tu sais très bien, tu risques rien en France. La France, elle défend les pédophiles. Elle fait rien aux pédophiles. Elle défend les pédophiles et elle met 3 ans pour un gars qui a vendu 2 barrettes. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça va, t'es tranquille, t'es large. Mais bon, n'empêche que, voilà quoi. On se connaît pas, mais t'es vraiment une sacrée grosse merde. Donc voilà, j'espère que tu vas voir ce message. Transmettez-lui. J'espère. De toute façon, je pense que tu vas le voir, je pense. Tu dois me connaître. Ouais, je vais bien ou quoi? Je pense que tu regardes un peu les snaps. Mais bon, voilà. De toute façon, tout le monde là, je t'ai fait humilier sur Twitter. Je t'ai fait démonter. Voilà, j'aimerais pas être à ta place. C'est qu'elle est en train de gérer. Thank you.